Coucou people, c'est Milly. Ben, j'arrive à vous avec une vidéo rapide, hein, histoire de pouvoir partager avec vous mon changement de tête. Puisque comme vous le constatez, j'ai fait des mèches, d'accord? Donc ce sont des nattes avec des extensions, des faux cheveux pour certains ou certaines. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire pour une simple et bonne raison, c'est que je tenais à ce que mes cheveux se reposent. Puisque ce que j'ai remarqué depuis environ une, deux semaines, c'est que je devais beaucoup manipuler mes cheveux. Le soir, par exemple, en faisant des tresses ou en faisant des nattes, etc. Et quand bien même ça permettait à mon afro le lendemain d'être bien détendu, ce que j'ai remarqué, c'est que mes cheveux semblaient être un petit peu fatigués, un petit peu en perte de vitalité, entre guillemets. Puisque, pour ceux qui se souviennent, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, qu'est-ce que vous faites franchement? J'ai fait un big chop, d'accord? J'ai fait un big chop. Et puisque sur mes cheveux il y a eu du défrisage, ok? Et donc par rapport à ça, il y a certaines parties de mes cheveux que je remarque au fur et à mesure qui sont encore fragiles. Et donc ça peut favoriser malheureusement la casse au niveau de mes cheveux. Donc ne sachant plus quoi faire vraiment, je me suis dit que c'était beaucoup mieux pour moi de pouvoir faire une coiffure protectrice où je manipulerai beaucoup moins mes cheveux et voir que les cheveux reprennent un petit peu plus de vitalité. Donc pendant que les cheveux sont dans cette position, bien entendu je fais des soins et en particulier j'utilise pas mal l'huile de carapace puisque j'ai remarqué qu'au niveau de mes contours il y a également des parties où c'est un petit peu plus cassé. Donc je profite de ce moment pour vraiment chouchouter mes cheveux de manière à ce que je puisse les voir repartir et voilà quoi. Donc vraiment les soigner. Donc c'est vrai que les coiffures protectrices, en particulier par exemple dans la période actuelle et en hiver pour ceux qui vivent dans l'Hexagone, les coiffures protectrices ça peut vraiment être quelque chose de bien, une bonne opportunité pour nous pour moins manipuler nos cheveux, mais également une bonne opportunité pour nous pour pouvoir soigner les cheveux comme il se doit, donc avec l'hydratation, avec les bains d'huile, avec des pommades, bref, tout ce qu'il faut pour que le cheveu puisse se sentir bien. Donc combien de temps est-ce que j'ai l'intention de garder ça? Je ne sais pas, peut-être deux semaines tirées par les cheveux, trois, mais je pense que ce sera plus deux, puisque ce n'est pas le genre de coiffure que j'affectionne particulièrement, mais pour le bien de mes cheveux en tout cas, j'ai tenu à le faire, donc ne vous inquiétez pas, entre guillemets, hein, si jamais de temps à autre vous voyez que je change de tête et que je fais des grosses nattes, hein, puisque en fait elles ne sont pas énormes, ce ne sont pas des patras comme j'aurais souhaité le faire, puisque mes cheveux ne sont pas encore assez longs, mais ce sont des nattes grossières, quoi. Je pense que je dois en avoir 45 grand maximum, donc voilà quoi, c'est un truc que je me suis fait toute seule. C'est pas stylé, je fais pas de coiffure particulière avec si ce n'est ce chignon que je fais tous les jours depuis maintenant 4 jours. Donc voilà quoi. Donc jusqu'à la prochaine vidéo mes chéris, je vous fais d'énormes bisous de vous, Bossiwo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si vous voulez partager avec nous vos idées de coiffure protectrice, je pense que ce serait vraiment sympa, ok? Donc, Bossiwo, c'est Jaconette, un cas d'isode, à don vita. Bye bye!